je veux voir un maximum de partage parce que trop de l'hypocrisie. On ne sait pas, pour Alpha Condé là, si c'est la haine bas, si c'est la méchanceté bas, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On a vu M. Alpha Condé, en train de blaguer, dialoguer avec les enfants des autres. Blaguer, dialoguer avec les enfants des autres. Et au moment que les enfants guinéens perdent leur vie, les enfants de 3 ans, les enfants de 5 ans, les enfants de 11 ans, on n'a même pas vu Alpha Condé prendre au moins discours, quelques 2 minutes ou bien 3 minutes, de souhaiter même la condoléance à la famille Ndoye. Yo, c'est à Tchad, je ne sais pas si c'est Tchad ou bien... Oui, c'est Tchad. On a vu Alpha Condé à Tchad en train de dialoguer avec les enfants là-bas. Yo, Koro, donc Koro, tu sais blaguer avec les enfants. Ah, donc pour nous les Guinéens, c'est foutaise, hein. Pour nous les Guinéens, c'est foutaise. Oui. Le monsieur là ne respecte pas les Guinéens. Le monsieur là n'aime pas, il n'a jamais aimé les Guinéens. Parce que, comment est-ce possible qu'un président de la République peut tuer les enfants des autres ici dans son propre pays, d'aller blaguer, dialoguer avec les enfants des autres, au moment que les enfants de 3 ans, de 5 ans, de 11 ans perdent la vie facilement en Guinée. En ce moment, Koro s'assoit dans le palais tranquillement, il fait son petite marmaille là-bas, tranquillement. Mais quand il est parti saluer et rendre hommage chez les autres, on a vu que le monsieur est en train de blaguer avec les enfants là-bas. Et puis, Ayele Madoumera, et Koro, mais Koro Nyarubo, Koro Nyarume Yati, Koro Nyarume vrai. Mon corot au ne corot a une marque moi et puis il est faussé a une marque moi me redira au moment que les Guinéens farafés les Guinéens 3 ans 4 ans 5 ans 11 ans n'a pas un bar à faire ou on les Guinéens corot mon conscience ton goulot retiré à la discours et à travers à raconter les soutenir à mérima en tout cas ta mounato peut-être ou ta mbarato mais ta mounato. Maximum de partage, la famille, s'il vous plaît. Maximum de partage. Ya. Le retirer de mon corot, corotti, à la fois les Guinéens, m'barre ma condoléance sur Téouma, les Guinéens n'a rien fait, à la raya femme, corot maraba, le retirer. Mais, mon corot, on est Tchad. Corot meridé, ton gomme, à nous de Roma, Samma, à nous marma, à nous y tout en tout gamma. Corot. Alors, allo, Koroba, bébé, si t'es là-bas, français, hein? Sérieux? Ouais, alors, allo, Koroba, ou le bébé, si t'as? Ah, Koroba, ou le bébé, si t'as, nous n'y a. Koroba, mon doumé, de Roma, Sanyima, Koroba, nous n'y a eu tout gang, à nous m'bérénira. À nous m'bérénira. Mais quant à nous, les Guinéens, ils s'en foutent de nous. Le monsieur là, il s'en fout de nous. Mais on m'a fait des guibédi à président, à la Guinée président. Nous, ce n'est pas notre président depuis le 18 octobre 2020. Nous, on a déjà fermé, bouclé. Voilà. On a déjà fermé, bouclé. Il n'est pas notre président. Jamais. Jamais de la vie. Koroba ou le bébé Sita, ça. Personne ne peut me convaincre ça que Koroba n'a pas travaillé chez les dames. Ouais. Koro mouale bébé sita, non. Koro, il a vérifié, vrai. Koro ba wale bébé sita France. Aba bébé sita aba. Parce que mon koro to on a doumé tougan tougan ma. Doumé de ou asam ma. Hein? Non. Donc le Guinéen, le Guinéen fara, c'est pas son problème.
Quand je vois les jeunes communicants de RPG Arc-en-Ciel, honte à vous, les jeunes communicants de RPG Arc-en-Ciel. Vous n'êtes pas des vrais Guinéens, mais seulement nous on connaît, eux on comprend. On comprend votre style. Vous ne soutenez pas Alpha Condé parce qu'il est le président de la Guinée. Mais plutôt vous soutenez Alpha Condé parce que tout simplement, il vient dans votre communauté. C'est fini. C'est comme ça que moi je vois. Vous soutenez Alpha Condé aujourd'hui parce qu'il vient dans votre communauté. Il n'y a pas plus pur que ça. Sinon, moi, j'ai pas. Il n'y a aucune raison de soutenir le vieux là. Un vieux qui a ses 83 ans. Et vous, les jeunes communicants de RPG Arc-en-Ciel, qui se flanquent en Occident. Mais si la Guinée est douce, pourquoi vous ne revenez pas en Guinée? Mais pourquoi vous êtes flanqués chez les autres? Rentrez! Le ticket n'est pas cher. Le ticket, c'est 400 euros, 500 euros, 600 euros, ou bien 700 euros. C'est fini. Mais pourquoi vous êtes flanqués là-bas? Pourquoi vous êtes flanqué là-bas? Mais Oufanga, essayez de sciencer un peu. Il ne faut pas soutenir quelqu'un parce qu'il vient dans votre communauté. C'est pourquoi les communicants de RPG Arc-en-Ciel nous traitent des impolis. Chaque fois, ils viennent dire que oui, que les communicants sociaux sont des impolis. Nous ne sommes pas des impolis. Qu'on insulte les cadres sociaux. Nous, on dit oui, on n'insulte pas, mais on les critique. Parce que, pourquoi? Vous savez pourquoi? Nous, un vrai soussou n'aime pas la démagogue, la démagogie, non. De venir soutenir ton frère, c'est parce qu'il vient de ta communauté, dans le mensonge. Il y a que le frère n'a pas de mal, a voulu n'a pas de mal. De venir le soutenir, hein? C'est comme ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Nous ne sommes pas des impolis parce qu'on ne peut pas soutenir quelqu'un dans le mensonge. Pur mensonge, on ne peut pas. On ne peut pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Comme par exemple tout à l'heure, j'étais en train de regarder la vidéo de Mahmoud de Grèce. Mahmoud de Grèce en train de se moquer à le président Seloudal Ngalo. Mais, j'ai toujours dit ici, moi je ne suis pas un militant ou bien sympathisant de l'UFDG. Vous comprenez, non? Mais il y a l'UFDG, à ses communicants sympathisants, c'est eux qui devraient répondre à Mahmoud Silla de Grèce. Vous comprenez, non? Dans sa vidéo, il a traité Seloudal de tout, blablabla. Bla, bla. Asso Riki, Amine Riki, Seloudal Nambete Riki, Atanambego Riki. Mais ce qu'on demande à Mahmoud, pourquoi il est en Occident? Mais pourquoi il ne se retourne pas en Guinée? Pourquoi? C'est les jeunes qui soutiennent Alpha Condé tout simplement parce que Alpha vient dans leur communauté. C'est ça qui est la vérité. Il faut que vous, les communicants de UFDG, vous, les communicants de UFDG, il faut que vous compreniez quelque chose. À chaque fois, les personnes comme ça, comme Mahmoud, viennent insulter votre leader. Il faut lui répondre. Et puis, sévèrement, il faut lui répondre. Yeah. Il faut lui répondre. Vrai, vrai. Alam, malam. Amoulam, marakana. Est-ce qu'elle a compris? Mais chaque fois, les gars, ils viennent s'attaquer à votre président. Mahmoudou, moi, je te pose une question, une seule question. Tu dis que c'est la Guinée qui a voté pour Alpha Condé, le président de la République. Mais pourquoi Mahmoudou Silla, pourquoi Alpha Condé n'a pas accepter que les radios privées ou bien les télévisions privées publient les résultats des élections? Oui, pourquoi il n'a pas accepté?
si réellement il est vainqueur, il devrait accepter les radios privées, publier les résultats un peu partout. Mais pourquoi il a bloqué? Quels Guinéens ont voté pour Alpha Condé? Quels Guinéens? Tu as voté pour lui. Tu penses que nous, les jeunes responsables comme ça, on peut voter pour un vieux qui a 84 ans, 5, 6, ou bien je ne sais pas quoi. Un jeune comme nous, nous préférons voter pour un autre jeune, n'importe de son ethnie, de sa communauté, ce n'est pas notre problème. Mais nous voulons un jeune responsable, ou bien quelqu'un qui est responsable, qui peut faire l'affaire de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, regarde, et dit, deux fois, les communicants de RPG Arc-en-Ciel disent seulement, tellement que nous, les communicants, que c'est nous qui divisent les Guinéens. Nous, on dit Alhamdoulilah. Merci pour vos interventions. Mais je vais vous dire quelque chose. Allez-y sur les pages des communicants de RPG Arc-en-Ciel. Quand les communicants de RPG en train d'insulter, en train de diviser, c'est vous, les malinqués, qui viennent commenter là-bas. Oui, tu as raison. Oui, tu es patriote. Oui, tout à fait. Oui, on doit faire comme ça. Oui, on doit faire comme ça. Par là, tati, tata, misé, nous, misé. A terriki, a goriki, be terriki, be goriki. What an enfant, man, what a stability. You know? It's not me. It's you. Come write something for the commentary. You know. It's you. It's not me. Respect yourself, guys. Respect yourself. You know. It's very important for if you respect yourself. You know. If you don't respect yourself, never, I don't respect yourself, you know. Yeah. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Regarde, quand on fait notre vidéo comme ça, tranquillement, mon tamoussika ma rira pas, mon gars c'est combi, mais il y aura toujours les malinqués qui viennent s'attaquer à nous. Regarde, il y a un malinqué, il a tout fait, je lui réponds pas. Un Kondeke, nti dangoun la, nti jabila. Eh ben, y'a rien. Si tu veux dire quelque chose, va dire ça à ton président, ok? Va dire ça à ton président, pas moi. Va dire ça à ton président. Parce que comment est-ce possible qu'un jeune peut soutenir le mensonge? Parce que le président vient de ma communauté. Arrêtez. Communautarisme, racisme, l'ethnocentrisme, c'est vous qui commencez en Guinée. Nous ne sommes pas des ethnos. Communautarisme ou bien quoi, non? Namérimouna Montana. Est-ce que vous comprenez? Namérimouna Montana. Mais vous avez un follow-up. Il n'a pas de la page de la course. Il y a que des condés qui commentent là-bas. J'ai regardé les commentaires. J'ai regardé. Il n'y a que des condés. Mahmoud est en train de dénigrer un deuxième personnalité de la Guinée. En train de dénigrer, insulter même son mémoire. En un mot. Mais vous êtes là-bas à commenter les condés, les Kourouma, les Gané, les Kamara, pas les Kamara Soussou, hein, les Kamara Malinké, les Fofona, pas les Fofona Soussou, mais les Fofona Malinké. J'ai tout regardé, j'ai regardé les commentaires. Mahmoud est en train de dénigrer, et là c'est Loudel N'Djalo, tout à l'heure, ça fait une heure ou bien deux heures de cela. Mais c'est vous, vous avez un commentaire, Isabena. Ouais, tu as raison, tu es patriote, tu as raison, tu ouais, il doit faire comme ça, c'est lui qui a créé la guerre ici. Guerre là, même votre président Alpha Condé, il a parlé de ça.
La première personne qui a annoncé dans sa propre bouche si un opposant, tu se sens triché dans une élection, quelle sera sa réaction? Attends, il faut des armes. Donc, mon temps, il faut Alpha Condé Nafala, donc vous avez dit ici, vous les communicants de RPG Arc-en-Ciel, vous avez dit ici que c'est Ludelin a déplacé camion Sénégal, Conakry, Bissau, Conakry, que Finkar et Nanana, il y a des armements, les armes blanches, coupe, Misselou, Missé, Degemane, Nanana. Quand ils ont fouillé les camions, il y avait quoi? C'est ce que nous avons. Donc, quand on a un cancer femme, on a fait la bête riki. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si vous. Donc, si réellement vous avez quelque chose à dire sur quelqu'un en Guinée, c'est Alpha Condé. Parce que c'est lui qui a tué les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans souhaiter la condoléance. Asiga Tchad, Asado Tchadier Rassalonkoui, Ano Animak Ndoumé Tanna, Ano Animak Ndoumé Tanna, Alo Mérinaranna professionnel, bébé si ta professionnel. Vous allez m'excuser, moi je ne bloque pas les gens sur ma page, mais je pense bien que Khalil Condé est en fauteuil et en bouleké parce que est en vrai. Il m'a dit à Colombo, il m'a fait ma page, ma bera ne me récombe. Il m'a récombe fait dans ma page, il m'a récombe fait. C'est Alpha Condé la page, mais ça me récombe mani. Hein? Voilà. Donc, la famille va comprendre que Mérina Nawea, Moula Guinée Rafanto, Moula Guinée Rafantina. Donc, vous n'aurez pas de temps, vous n'aurez pas de temps, vous n'aurez pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en Guinée. Peut-être que les gens sont en Guinée. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Forcer, je vais respecter les peuples. Ils ont raison. Forcément, je vais respecter les Malinkés. Ils ont raison. Guinée forestière. Forcément, je vais respecter les forêts là-bas. C'est comme si eux aussi, quand vous venez en basse-côte, forcément, vous allez respecter les soussous. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on dit que la Guinée, Mérimouda Ndiabora, n'a pas été reconditionné mentalement, physiquement, spirituellement, parce que vous avez affaire avec des serpents, les vieux serpents. Mérimouda Ndiabora, la Guinée m'aura fait matou, la Guinée m'aura fait matina, et fera intérêt personnel tongodi, et nous, la Guinée, qu'a bamboubora. Mais après une telle autonomie, parce que communiquant n'a rien à faire, il n'a pas de rapagement, il n'a pas de Mahmoud rapagement, c'est comme ça. Il n'a pas de Benito de Massanta rapagement, il n'y a que des malinqués qui commentent là-bas. Il n'a pas de, comment elle s'appelle le gars, en Soudamagou rapagement, il n'y a que les malinqués qui commentent là-bas. Il n'a pas de Fatouye le Ousmane le rapagement, il n'y a que des malinqués qui commentent là-bas. Quelqu'un qui vient insulter une grande personne, ou bien s'il faut deuxième personnalité de la Guinée, vous venez commenter là-bas, tu es champion, tu es patriote, après vous dites que c'est nous qui divisons les Guinéens. Vous rare, les rare, hein?